Je ne sais pas si ça va pas plus cette année, on les, ils sont plus beaux que là-haut. Bonjour. Steph, il faut que tu... À fond, là, mon pote. Mets ton tablier à fond. Ouais, ouais, mon pote, à fond. On pensait que comment Patrick pouvait faire... D'accord. Bon, dans le même temps, Jean-Marie, toi et moi, et maintenant... Ça, c'est fini. Génial. Ah ouais, d'accord. Donc de manière à ce qu'il n'y ait pas de... Mais comme le disaient les Romains, parce que le ministre de la Culture s'excuse de Paro, à Bordeaux, mais il n'a pas pu venir au dernier moment, il m'a dit de livrer à votre méditation le proverbe des entreprises industrielles ou industrieuses de quelques moines décadents, ça s'est fait naturellement, parce que la Garonne, dans le trajet maritime, comme on l'appelle, maritime, c'est soumis à la marée, on va commencer à rentrer à l'intérieur. Au passage, parce qu'on est un peu nombreux, vous allez voir des pierres tombales de protestants. Qu'est-ce que tu vois? Essai de rajout de crête, on observe que la Cephalosphère est une crête bien mieux placée, il est beaucoup plus agréable à porter alors qu'il est plus lourd. La première fois que j'ai porté celui-ci, pour faire le trac, en argent, c'est tout petit, ah oui. Mais ça vaut 4 fois plus. Oui, parce que la matière n'est pas... Et c'est une question de valeur de matière. Ça, c'est l'argent. Je vous l'explique pour vous faire. Adrien, on va le remplacer, on va le mettre pour la... Deux assiettes lentilles.
Oh, pas mal, hein. Bah, pas... Alors, les frites. Qu'est-ce que j'ai dit? 24. C'est 24. C'est 24. Là-bas, qui dit en 6 et 10 minutes,
Thank you.
C'est l'occasion pour moi également de remercier et féliciter Michel pour tout le travail qu'il a fait. On peut dire que le président Félicien, la personne qui est avec le matériel et la personne qui est avec le matériel. Je vais normalement faire un petit tour de char, on va chercher du pot. Allez, Philippe ! Dans ce coup. Advocate.
Équipé de garde du corps, qu'on appelle
Ambassador, c'est le mot qui va donner dans notre langue d'aujourd'hui le mot ambassadeur. Ces ambassadeurs sont logés, nourris, blanchis, et ils vont donner leur vie à leur chef. Dans cette société gauloise, Isarnos Nertomaros, chef de la cité des Andianiques, va devoir lever une armée durant la guerre des Gaules. Et il va envoyer des émissaires dans les campagnes, et il va, on va dire, lever cette armée en leur donnant une solde. Et il aura avec lui des paysans qui seront aussi entraînés. On ne sait pas s'ils auront fait un service militaire. Toujours est-il, bien sûr, que d'un seul coup, ces peuples gaulois arrivent à lever des armées très rapidement. Vous voyez qu'ils ont un équipement militaire, ces paysans, extrêmement moins performant. Il y en a un qui est très riche, c'est celui qui porte un casque. Et vous voyez qu'il a un équipement assez efficace. Il n'a pas d'épée, il a une lance. La lance, c'est l'arme de prédilection de tous les peuples antiques. Il a un casque, que je vous l'ai dit, il est très riche, et puis il a ce qu'on appelle une cuirasse, c'est-à-dire une protection en peau animale, extrêmement dure, renforcée à l'eau bouillie, qui va faire qu'il aura, on va dire, l'efficacité nécessaire pour se protéger du perforation. Ensuite, dans cette armée, il y a ce qu'on appelle, dans le monde romain, les vélites. Ce sont les guerriers vêtus très légèrement et qui passent leur temps à courir sur le champ de bataille. Ils ont des armes très rudimentaires, ce qu'on appelle des javelines, et ils en ont des centaines qu'ils portent dans des sacs et ils vont les lancer sur l'ennemi. Alors, il a fort à parier que leur vie ne vaut pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave, car la mort n'est que le milieu d'une longue vie. Il y a aussi des frondeurs. Celui-ci est un ancien esclave qui nous a confiné. Il vient des Baléares et il est très connu pour sa dextérité. Alors, il ne vous fera pas de démonstration ici. Parce que ce matin, il a déjà assommé quelqu'un. Dans cette armée, il y a l'équivalent du drapeau de l'époque, qu'on appelle l'enseigne. Si cette enseigne passe dans les mains de l'ennemi, cela veut dire qu'il est inutile de continuer à combattre. Les dieux ont décidé que la guerre était terminée. Alors bien sûr, le chef de guerre va développer un système où ses gardes du corps vont protéger cet homme. Il y a aussi le porteur de carnix. Le carnix, c'est en fait la trompe de guerre des guerriers gaulois. Celle-ci n'est pas une évocation, mais une fidèle reconstitution. C'est le carnix qui a été trouvé à Mandeur, dans le Doubs, à côté de Montbéliard. Elle figure une hure de sanglier. C'est un animal sacré chez les Celtes, alors on ne le consomme pas. Désolé pour Obélix. On ne mange pas de sanglier chez les Gaulois, de même qu'on ne mange pas des vaches en Inde. C'est un animal sacré, on n'y touche pas. Si un personnage peut le consommer, c'est peut-être le druide ou alors l'aristocrate dans un cadre de divination. Et bien évidemment, ces animaux sauvages, au moment de la guerre des Gaules, n'existent quasiment plus dans les forêts. Je vous l'avais dit, on est là pour casser les idées reçues, donc je vais commencer à y aller un peu plus vite. Donc on va faire une petite démonstration du carnix, Isarnos, et le chef de guerre a le droit de souffler dans le carnix. S'il te plaît, Isarnos. Alors, cet objet a une fonction militaire, je vous l'ai dit, il est là pour transmettre les ordres sur le champ de bataille, mais il peut aussi servir pour les cérémonies funéraires. C'est un objet sacré, donc comme tout objet sacré, il sert pour les rituels. Hein. Donc vous allez entendre le son d'un instrument qui n'a pas sonné ici depuis 2000 ans. Ces guerriers d'élite portent aussi ce qu'on appelle des cottes de mailles. La cotte de mailles, invention gauloise du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec les chevaliers. Ce ne sont pas les chevaliers qui ont inventé la cotte de mailles, ce sont les Celtes. Ah oui, assez étonnant quand même pour un peuple de barbares. Vous voyez ? À quoi ça sert la cotte de mailles ? Démonstration, c'est un bouclier. Alors bien évidemment, mon épée est tranchante. Et on les stocke aussi, ça peut résister. Alors je vous montre un peu d'abord l'efficacité du casque. Vous voyez, si je tape, les coups sont déviés. Et sur sa cotte de maille, il a des épaulières, c'est-à-dire un double renfort ici de cotte de maille. Donc on se demandait à quoi ça servait, c'est tout simple. Si vous arrivez à cheval et vous mettez un grand coup d'épée, vous voyez, ces épaulières vont empêcher que les clavicules cassent.
Ensuite, il est parfaitement rond, donc si un projectile arrive, il va forcément être dévié. Il a aussi une collerette sur les côtés qui va faire que le coup va être écarté. Il a aussi sur les joues ce qu'on appelle des paragnatides, des couvre-joues, qui vont lui protéger le visage des coups sur les côtés. On peut l'applaudir. Merci. Le bouclier gaulois est plat et de forme oblongue. Il y a plusieurs types de boucliers, vous voyez, avec une partie métallique centrale qu'on appelle lombo. Lombo qui a des ailes, d'ailleurs on l'appelle lombo à ailes, lombo papillon, protège la main qui se trouve derrière. Un bouclier gaulois, selon nos expérimentations, fait au maximum entre 3,5 kg et 4,5 kg. Au-delà, il devient inutilisable. Surtout que ce bouclier, les Gaulois, ne l'utilisent pas uniquement de manière défensive, mais aussi de manière offensive. Ils vont porter des coups au visage avec la partie tranchante du bouclier qu'on appelle l'orle, qui est en métal. Et on a affaire à un type de combat assez étonnant, un peu comme le boxeur, où de la gauche, on éloigne l'adversaire, et de la droite, on porte son coup. Et au contact des autres peuples, notamment les Grecs, ils vont aussi adopter leur tactique militaire et ils vont pouvoir faire ce que l'on appelle des phalanges, formation militaire extrêmement serrée. Si jamais je mets une plaque à quelqu'un avec la main ouverte, bien sûr, ça va faire mal, mais si je ferme le poing, ça fait encore plus mal. C'est le même principe. On va mettre les guerriers les uns à côté des autres et on va en faire un coup de poing. Ces guerriers mettent en phalange, bien évidemment ce n'est pas leur spécialité. Ils le feront si jamais ils sont attaqués par une autre phalange, ou alors pour se défendre face à des chevaux. Les Romains et les Grecs ont souvent dit que les Gaulois sont indisciplinés. Nous sommes en train de vous montrer que c'est tout le contraire. Certes, ils ne sont pas aussi disciplinés que les Romains, mais ils ont leur propre discipline. Il y a une hiérarchie chez eux, hein, vous l'avez vu, il y a un chef de guerre, il y a certainement des sous-officiers, et on ne peut de toute manière décemment pas déplacer des dizaines de milliers d'hommes en campagne sans un minimum d'organisation militaire et de discipline, car très vite, cette armée devient inefficace. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit assez souvent durant la guerre des Gaules. On est vêtu légèrement. Je tiens à préciser d'ailleurs que ceux qui ont des cottes de mailles et des épées comme la mienne sont en fait des aristocrates qui sont à cheval. Ce sont des équitaines, on va dire des chevaliers. Les chevaux que vous avez sous les yeux sont beaucoup trop grands pour l'époque. Les chevaux gaulois font entre 1m20 et 1m30 au garrot. Donc ils sont petits. Et vous voyez, si j'ai pas tout de suite hors de portée. Et vous voyez, bien illustré notre guerrier. C'est écrit dans les textes. La cavalerie, des Gaulois belges, son char d'armée. Je suis libre d'honneur. Je parle en gaulois ce soir. Je suis celui qui aime les chevaux. Je suis au-dessus de mes ennemis. Protéger.
Alors, je vous remercie beaucoup, c'est la fin de cette démonstration. Je vous demande d'intervenir chacun.